grillage et neuf. Ouais. Oui, mais ils peuvent peut-être longer un peu. On les a vus, ils sont là. Ils vont besoin de la reconnaissance. Il n'y a pas de chat dans ce secteur. Les sangliers se sentent bien. Et plus ça ira, plus il y aura des sangliers. Mais ce n'est pas que particulier à Poitiers. En principe, les villes de France, où il y a un peu de campagne, les sangliers rentrent en ville. Pas que les sangliers et les renards et d'autres faunes. Mais les sangliers, c'est bien embêtant, car il faut se mettre à la place des gens, avec leurs pelouses, qui sont toutes renversées. Et en plus, le sanglier est accidentogène. On tire les petits. Les petits. On tire les mères. On ne fait pas de décantonnement, bien sûr. C'est, j'oserais dire, feu à volonté. Donc la battue, c'est une battue donc administrative. Et nous avons 80 chasseurs qui sont placés sur des lignes. Les placements sont faits en fonction des sorties des sangliers. Donc dans le bois, j'ai vu un marcassin qui a été tiré par une autre personne et moi je vois deux sangliers adultes que je tire mais aucun n'a été tué. Et donc les sangliers tendent toujours dans le bois ou... et il y en a eu d'autres de tirer mais pas de prélevés. C'est des marcassins. Il y en a deux. Les chiens ont poursuivi tout en bas ici et puis ils sont remontés ici dans les fourrés. Puis je l'ai tiré quand il est passé par le chemin et qu'il était dans la plaine, dans l'herbe là. Et le premier coup, il a paloté et puis bon, il est resté sur place. Il n'a pas souffert. C'est comme ça. Allez, on emmène la chaîne de mur, il va.